votre café. Merci. Attendez, laissez-moi vous aider. Ça me fait plaisir. Laisse, maman. Oh non. Touchez à rien. On s'en occupe. Ne vous inquiétez pas. Je m'excuse encore pour cet incident, vraiment. C'est rien. Allez-y. Vraiment, ce n'est pas important. Détendez-vous. Qui joue du piano? Ah, nous jouons tous un petit peu. Mais Yannis est le meilleur d'entre nous. C'est très bien. Elle favorise encore son fils. C'est la vérité. Pendant que tu jouais dans le jardin étant petite, Yannis passait des heures à pratiquer. Tu apprendras aussi à jouer, Karim. Merci beaucoup pour ce dîner. Que Dieu vous bénisse. Je pense que... Oh, merci beaucoup. Dès que je peux, j'essaierai de faire ce délicieux soufflé aux asperges à la maison. Je verrai si j'y arrive. Pendant que nous buvons notre café, parlons des raisons de notre présence ici. Papa, excuse-moi. Oui? Laissez-moi vous épargner le stress de ce cérémonial. Je voudrais remercier Nadia, devant vous tous, d'avoir accepté de m'épouser. Je promets de faire mon possible pour la rendre heureuse tout au long de sa vie. Je n'ai jamais vu un tel cérémonial. Karim sait vraiment ce qu'il veut. Et aussi comment il le veut. J'ai raté la meilleure partie. Mais je vais pouvoir conclure en bonne et due forme. J'ai préparé le contrat. Une fois signé... de la cour de son Altesse Royale. Ça suffit, Samy.
Tu lui as assez crié dessus. Ah oui, le pauvre petit. C'est moi le méchant dans l'histoire. On voulait pas faire honte à notre fils. Et regarde comment on nous a traités. On n'est pas assez bien pour son Altesse royale et sa famille. Elle doit se protéger des méchants voleurs. Qu'est-ce qui se passe? Et sans aucune honte, elle dit que Karim aura des droits aussi, et sa famille pourra aussi en bénéficier. De quoi tu parles? Quel droit on va nous accorder, hein? On va soi-disant nous autoriser quoi? Franchement, les équipements Sinaneurs sont tous à votre disposition. Quoi? Pourquoi? Laisse. C'est une honte, et tu dis rien. On nous traite comme si on courait derrière leur argent. Il ne s'agit pas de n'importe qui. Je vais épouser Nadia Sinaneur. C'est normal qu'ils agissent comme ça. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Je l'accepte! Idiot! Tu ne veux pas comprendre! Si tu es d'accord avec ça, autant signer un papier vierge! Ça ne fera pas de différence, imbécile! Et peut-être que ça nous ferait moins honte! Tu n'as plus aucun amour propre! Mais tout le monde signe des contrats de mariage! Y a vraiment pas de quoi s'énerver! Vraiment pas! Alors ils veulent que tu signes un contrat de mariage, c'est ça? On court après leur fortune, c'est ça qu'ils pensent en fait! Comme si on n'avait aucune dignité! Ils nous ont jeté ce contrat à la figure, sans aucune gêne! Mais on peut dire que nous, les petites gens, on est accueillis avec de l'argenterie, les verres en cristal, les serveurs aux petits soins. Et puis bien sûr, pour nous clouer le bec, on nous sert encore du champagne français. Il n'y a rien de mieux. Pour détourner l'attention, le champagne c'est magique. Quelques gorgées et le contrat est signé. Mais pour qui ils nous prennent exactement, hein? Hein? Tais-toi. Ce n'est pas la peine d'aggraver les choses. Tu te rends compte? Tu te rends compte? Il ne t'a même pas laissé intervenir dans la discussion. Ils l'ont manipulé sous nos propres yeux. Elle tirait les ficelles de son pantin. Et lui, il se laissait faire sans rien dire. Et nous, on ne pouvait que regarder ce magnifique spectacle. Allez, mon fils, va te coucher. Monte. Tu as tout géré seul. Tu as accepté de signer. Tout est réglé. Pourquoi tu as voulu qu'on vienne ce soir? Dans quel intérêt? Tu es la honte pour nous. Jusqu'à ce jour, je n'ai jamais dépensé l'argent de quelqu'un d'autre. Je n'ai pas besoin de droits qu'ils veulent nous accorder. Ils peuvent être riches, ça n'a aucune importance pour moi. Je m'en contrefiche. Ils ne valent pas plus que les autres. Ils n'ont qu'à prendre leurs droits et se les mettre là où je pense. Ça suffit, tais-toi! Tais-toi! Regarde comme ils se sont permis de nous traiter. Regarde dans quelle situation cet idiot nous a mis. Il n'a pas été capable de dire on s'en va. Il est resté debout à tout écouter et à nous laisser écouter aussi. J'ai pitié de toi, sale mendiant. Calme-toi, papa. Et les réalisations de ton fils, dont tu te vantes tant? L'éducation, la connaissance, ça n'aide pas dans ces situations. Il faut être un homme, savoir s'imposer, être courageux et défendre ses principes. C'est ça un homme, un vrai. Papa, calme-toi. Assieds-toi, ta tension va monter, ça suffit. Elle a suffisamment monté. C'est toi! Montre-toi, sale ordure! Sors de là! Pauvre type, sale traître! Allez, sors, qu'est-ce que t'attends? Tu fais le malin, alors viens dehors qu'on t'explique! Hé, hey, mais qu'est-ce que tu fais, ça va pas? Descends si t'es un homme! Descends que je te casse la gueule! Bouge pas! Quand je bouge pas, je t'attends. Qu'est-ce que t'as fait, espèce de malade? T'as perdu la tête. T'as un problème avec ce que je fais, hein? T'as un problème avec ça? T'as un problème avec ça? T'as un problème avec ça? Hey, qu'est-ce que j'ai fait? Je te connais même pas. Foutez-lui la paix. Dégage-toi. Si je te revois tourner autour de cette fille, tu vas le regretter, c'est compris? Quelle fille tu parles? Si je te vois encore avec Salma, je te brise les jambes, c'est bien compris? C'est bien compris? Prends ça et casse-toi! Mais c'est qui ce malade?
arrête, arrête. Qu'est-ce qui se passe? Rien, laisse. Ça va, mon gars? T'as rien de cassé? Non, ça va, ça va. Bonne journée. Merci. Bonjour. 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 Eh bien, où tu vas si tôt que ça? Je vais marcher un peu. Je me sens rouillée en ce moment. N'attrape pas froid. Couvre-toi bien. Ne vous inquiétez pas pour ça, papa. J'ai envie de bagel. Je vais passer en chercher pour le petit déjeuner en revenant. D'accord. Je t'en mets de côté. Je vais de ce côté-là, papa. Passez une bonne journée. D'accord. Merci. Allez, viens déjeuner avec moi. Déjeune sans moi. Je veux dormir, moi. Oui, je m'en doute, mais viens quand même. Lève-toi. Ton père est parti. Kamal dort encore. Et l'autre est sorti. On peut parler librement. D'accord. Je t'attends en bas. Merci beaucoup, Hussein. Comment allez-vous? Est-ce que vous êtes disponible? J'espère que je ne vous dérange pas. Non, pas du tout, je vous en prie. Je me demandais ce que vous faisiez et comment vous alliez. Merci, c'est très gentil à vous. Je vais à l'hôpital récupérer le corps. Je suis en chemin. L'enterrement aura lieu demain après-midi, si Dieu veut. Oh, bien sûr. Je vois. Que Dieu vous aide à traverser cette épreuve. Merci. Comment va votre sœur? Pas très bien. Peut-être qu'on restera ici encore un moment avec elle. Bien sûr. Et comment va Zineb? Elle voudrait rester ici plus longtemps. Elle a parlé à son patron et il a bien voulu prolonger son congé. Écoutez, Hussein, si Zineb doit rentrer pour le travail... Et que vous voulez rester auprès de votre famille, ne soyez pas gênés surtout. Dites-le-moi. Elle pourra rester avec nous. Ce sera mieux que rester toute seule. Merci beaucoup, vraiment. Mais si on ne... trouve pas de solution. Il est possible qu'on rentre avec ma sœur. Je vous redirai ça. Très bien. N'hésitez pas à me rappeler. Je vous laisse. Je ne veux pas vous déranger plus longtemps. Bon, prenez soin de vous. Et surtout que Dieu vous donne du courage, Hussein. Merci. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as rêvé du sein? N'importe quoi. Bonjour quand même. Bonjour. Je t'embête un peu. Mouah. Ne te fâche pas. Pourquoi je serais fâchée? Il n'y a aucune raison. Vous êtes plus belle que jamais ce matin, mademoiselle Yasmine. Si tu fais ça pour ne pas préparer le petit déjeuner, sache que ça ne marchera pas. C'est encore mon tour? J'avais oublié. Ah oui, alors heureusement que je suis là pour te le rappeler. Soyons folles et allons déjeuner dehors aujourd'hui. Nous lirons notre journal en bord de mer et profiterons de la vue splendide. C'est tentant. Ah oui, ça l'est, mais si on restait à la maison? Ah, je vais faire des crêpes. Allez, maman, ne sois pas paresseuse. C'est pas comme si on faisait ça tout le temps. Oh, mais moi je suis très contente de pouvoir prendre mon petit déjeuner chez moi. Allez, maman. Du coup, il faut que j'aille me préparer et m'habiller. Écoute, si tu veux, on sortira après, allez. On te trouverait très belle, même si tu venais juste de sortir de ton lit, tu sais. Bon, passe la première à la salle de bain. Allez.
Qu'est-ce que tu fais là? Ali, il faut vraiment qu'on parle. Mais parler de quoi? Qu'est-ce que je t'ai dit hier? Je t'ai dit de partir. Comment tu oses te pointer chez moi maintenant? Ali, écoute-moi. Ne me force pas à te faire du mal. Les choses ne sont pas ce qu'elles paraissent. Cet homme n'est pas du tout mon amant. Salma, je ne me pose aucune question. Je t'ai dit quoi faire? Disparaître de la vie de Kamal ou je vais finir par tout lui raconter. Tu m'entends? Et qu'est-ce que tu vas lui dire? T'as vu quoi au juste? Y a rien à raconter. Je vais te dire la vérité. Salma, t'as vraiment le ton de rendre les gens complètement fous. Je t'ai vu avec ce mec deux fois. Juste écoute-moi. Quand Kamal est allé à Antalya, j'ai perdu mon travail. J'ai reçu un peu d'argent pour mon départ et je l'ai touché le jour même. Et ce soir-là, le soir où tu m'as vu, j'ai retrouvé Kenza dans un bar. Je lui ai remboursé son argent. Puis elle est partie et mon moral était au plus bas. Je t'ai appelé, j'ai appelé Jamila, mais personne m'a répondu. Alors je suis restée toute seule là-bas, dans le bar. D'accord, abrège un peu. Et c'est là que j'ai rencontré Samir. Ah, tu admets enfin? C'est pas ce que tu crois. On n'a pas vraiment eu de conversation tous les deux. Je pleurais parce que je venais de me faire renvoyer et parce que je me sentais pas bien. Il t'a consolé, oui, je vois. C'est pas ce que tu crois. Pourtant, je viens de t'écouter et c'est exactement ce que tu dis. Mais non, c'est pas vrai. Il m'a juste déposé à la maison. Arrête! Alors pourquoi t'as menti quand je t'ai vu ce soir-là? Parce que j'ai eu peur quand tu m'as demandé qui est ce type avec ton air fâché. Fais pas attention à ton père. Il ne pensait pas à ce qu'il disait. Mais ne signe pas, ne signe pas. N'en fais pas une affaire de fierté, idiote. Maman, n'en rajoute pas non plus. Garde la tête froide, Karim. Écoute-moi. Ça fait des années que Nadia t'attend, hein? C'est elle qui t'a présenté à son père quand vous vous êtes rencontrés, n'est-ce pas? Elle tourne autour de toi depuis tout ce temps. Maman! C'est vrai ou pas? Ne réagis pas comme Kamal. Elle était toujours auprès de toi, même quand tu étais avec Jamila. Quand tu t'es fiancée, elle s'est déclarée. Et elle a tout tenté pour toi. Elle aurait fait n'importe quoi. Cette fille ne t'abandonnera jamais. N'aie pas peur de faire entendre ton opinion. Maman, c'est bon, d'accord. Ok, j'ai compris, là. Si tu te soumets dès le début, ils auront toujours le pouvoir sur toi. Ça sera toujours comme ça. Et son grand frère, Yanis, celui-là, je ne le sens pas du tout. Du tout. Si tu leur as déjà dit oui, tu peux changer d'avis. C'est pas grave. Comme ça, tu seras l'homme dont ton père parle. Moi, je suis sûre que ce contrat n'était pas l'idée de Nadia. C'est sûrement sa mère et son frère qui en sont à l'origine. Et ils ont dû la forcer à accepter. Nadia sera toujours là, que tu signes ou pas, tu verras. Et leur société. Maudite soit leur société. Moi, ce que je leur donne, c'est un homme en or. Bonjour. 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 Et tu vois, comme tu as créé ton affaire, et comme elle marche bien, tu n'as peut-être pas autant d'argent qu'eux. Mais tu as le talent, tu as l'ambition. Ne te sous-estime pas. Ne te dévalorise jamais devant eux. Tu es chanceux, mon frère. La coach Sophia te donne des conseils. Il faut surtout pas rater ça. Kamal, laisse-le tranquille. Tu vois pas qu'il est pas bien? Fiche-lui un peu la paix. Ne fais pas comme ton père, je t'en prie. Je t'amène ton thé. Où est Salma? Parti marcher. Tous les jours, je suis obligée de sortir pour ne pas avoir à rester seule toute la journée avec Sophia. Tu sais bien qu'elle me supporte pas, alors je vais dans les centres commerciaux et je rentre à la maison le soir. Mais je fais rien de mal. Arrête de me raconter des histoires. Ça fait 2 heures que tu me mens. J'essaie juste de t'expliquer ce qui se passe. Il m'a appelée hier.
Il est rentré de l'étranger. C'est un grand homme d'affaires et je voulais lui parler pour lui demander s'il pouvait me trouver un travail. T'allais postuler pour un travail dans une boîte à cette heure-là? Je savais pas, moi, que c'était un nightclub. Tu ne savais pas? Je te jure que je ne savais pas. Je connais pas bien ce quartier. J'ai pas vu ce que c'était. Enfin, pas avant d'être entrée à l'intérieur. Et je lui ai dit dès qu'on est rentré que je voulais pas rester là-dedans. Et puis quand j'ai compris qu'il avait d'autres projets avec moi, je lui ai répondu. Tu vas arrêter de me mener en bateau? Me fais pas croire qu'il y a rien eu entre vous. Mais il y a rien eu, pourquoi tu me crois pas? D'accord, s'il y avait pas eu Kamal, bien sûr qu'il se serait passé quelque chose. Je te jure que je suis sortie du club aussitôt rentrée. Et je voulais prendre un taxi, mais il a voulu me raccompagner. Mais je te jure sur tout ce que j'ai qu'il s'est rien passé de plus. Je te promets que je n'ai rien fait. Comment je pourrais oublier que je suis mariée avec Kamal alors que ça ne fait... Arrête! Arrête de jurer maintenant! T'as qu'à sortir tes salades à Kamal. Y a qu'un homme gentil et naïf comme lui pour croire à ça. Mais sûrement pas moi. Tu sais, je suis au courant de tout et t'arriveras pas à me faire changer d'avis. Ça sert à rien de continuer ton discours. Ok. Ok, très bien. Je vais lui dire. Je vais lui dire et ça va faire des problèmes. Il voudra me tuer. Ensuite, il cherchera le mec pour le tuer aussi. Et là, il se fera arrêter et emprisonner pour meurtre sans aucune raison. La première fois, à cause de... Bonne journée. Au revoir. Bonjour. 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 Ali n'est pas là? Non. Ah, c'est pas vrai. Mais où est-ce qu'il est passé? Il va arriver, c'est dimanche. Au lieu de ne rien faire, viens nous aider à l'intérieur. Salut les gars. Salut. Bonjour. Je suis là. Vos rollers, ils se vendent mieux que mes beignets. Et ça rapporte bien. Je me demande même si je ne devrais pas en faire plus. Qu'est-ce que tu en penses? Kamal. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, papa, rien. C'est rien du tout. Tu disais quoi? Rien. Rien qui soit vraiment important. En tout cas, le projet de Karim marche bien, mais pas le reste. La famille de Nadia veut pas de lui. C'est un jouet. Ne t'inquiète pas, Karim ne se laissera pas faire. On ne dirait pas, mais bon, on verra. C'est Nadia? Oui. Ne décroche pas. Fais-lui comprendre que tu es offensé.
Allô, Nadia? Mon fiancé? Bonjour. Bonjour. Justement, je voulais te téléphoner. Cette fois, j'ai été plus rapide. Alors? On fait quoi aujourd'hui? Si on faisait quelque chose qui change? Je sais pas. Si on se voyait d'abord pour discuter. Il habite ici, officier. Cet immeuble. À quel étage, monsieur? Au deuxième. Regardez, la voiture est là. Je lui ai vendu, mais on n'a toujours pas fait les papiers. On comptait le faire la semaine prochaine. Dites-moi, comment est-ce que j'aurais pu deviner qu'il allait s'attirer des problèmes? Ok, c'est bon. Attendez-nous ici. L'oncle de Zineb doit être enterré aujourd'hui. J'imagine que le pauvre Hussein va devoir courir partout. Qu'est-ce qui se passe? Depuis quand tu t'inquiètes pour Hussein, maman? Tu te rapproches de lui? Mais enfin, bien sûr que non. Quelle idée? Qu'est-ce que ça a à voir? Je parle juste du pauvre homme qui est décédé. Je sais pas, mais je trouve que tu parles beaucoup de lui en ce moment. Mais non, pas du tout, enfin. Moi, j'essaie juste d'entretenir de bonnes relations de voisinage. Ok, je rigole. Si Zineb rentre plus tôt, j'ai proposé qu'elle reste avec nous. Quoi? Pourquoi, maman? Pourquoi est-ce que tu te soucies autant pour elle? Je comprends pas. Et toi, pourquoi tu te comportes comme ça avec elle, hein? Pourquoi, Jamila? Pourquoi? Pourquoi ils emmènent Ali? Ali? Qu'est-ce qui se passe ici? Attendez! Mais pourquoi il l'emmène? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a fait? Oh. C'est bon? Oui, allô? Kamal, viens vite, ils ont emmené Ali. Quoi? La police est venue chez lui et ils l'ont emmené. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, j'en sais rien du tout. Je suis arrivée juste quand il partait. Dépêche-toi, Kamal, viens vite. Ils l'ont emmené où? Quel commissariat? Est-ce qu'ils t'ont dit où ils l'emmenaient? Non, j'en sais rien. Je vais essayer de les suivre et je te rappelle. Ok. Ok, je pars tout de suite. J'arrive. Démarre. Roule. Avance, allez. Arrêtez. Jamila. Jamila, où tu vas? Allez tout droit, vite, dépêchez-vous. Mais c'est pas possible de rien écouter. Eh ben vas-y, allez. Bonjour. Bonjour. Tu t'es levé tôt? J'ai pas fermé l'œil de la nuit, alors je me suis levée. J'ai fait un petit tour sur la côte. Je voulais marcher. Et penser. Ça doit être dur pour toi. Oui. J'aurais jamais imaginé ça. Ni pour ma vie, ni pour mon mariage. Et ça va toujours aussi mal avec Kamal? Ça s'est pas arrangé depuis? Parce que je n'ai le soutien de personne. Je suis toute seule. Comme tout le monde est contre moi, il a l'avantage. Il me met sous pression. Karim! Qu'est-ce qui se passe? Rien, maman, on discute. J'aime beaucoup Kamal, tu sais. J'ai risqué toute ma vie pour être avec lui. Il croit que je l'ai piégé, mais je n'avais pas le choix.
Je ne lui ai pas dit pour l'avortement, pour qu'il ne me quitte pas. Sinon, pourquoi je voudrais baser ma vie sur un mensonge? Maintenant, j'en paye le prix fort. C'est la vie. Certains ont de la chance et d'autres n'en ont jamais. Par exemple, toi, tu as menti, et quelqu'un d'autre... Désolée de l'avoir retardée. Nadia va devoir attendre par ma faute. J'espère que j'ai pas causé de problème. Sinon, ça va retomber sur moi. Le thé est encore chaud. Non, merci. Je n'en veux pas. Alors je débarrasse la table. Kamal a mangé? Il a mangé avant de partir de la maison. Bien. Vous avez agressé cet homme. Oui. Vous avez saccagé sa voiture. Oui, capitaine. Pourquoi? Quel est le problème entre vous? Demandez-lui. Il sait. J'ai rencontré une fille dans un bar un soir. Vous savez où se trouve Ali? Oui, c'est par là. Merci. Continuez tout droit. On était sortis juste une fois au restaurant. C'est pas comme si on avait une relation. Ça a duré seulement quelques jours. On avait à peine fait connaissance. On n'a pas eu le temps d'aller au-delà. Elle m'avait pas dit qu'elle avait un copain. Et moi, comment je pouvais deviner? Je suis pas devin. Salma n'est pas ma copine, imbécile. Du calme. Ça va être de ma faute, hein? Il dit que c'est pas sa copine. Il a détruit ma voiture avec un pied de biche. Il m'a agressé physiquement. Je veux porter plainte, capitaine. Faites ce qui est nécessaire. Ne le laisse pas apprendre ce qui se passe. Bonjour. Attendez dehors. Moi, tout ce que je veux, capitaine, c'est qu'il soit puni pour ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce qu'il a fait ? C'est qui ? Moi non plus, je ne sais pas qui c'est. Il s'est battu avec ce type ? Dis-moi. Tu sais ce qui s'est passé? Je comprends rien du tout. Et il a cassé sa voiture. Attends, est-ce que c'est le type qui l'a vu avec César? Il m'en a parlé hier soir, mais pas beaucoup. Il avait beaucoup bu. Il disait des trucs bizarres. On s'est même disputé, lui et moi, hier soir, t'imagines? Pauvre Ali. Pauvre Ali. Est-ce que cette fille en valait vraiment la peine? Très franchement, je crois pas. C'est de la folie, John. C'est vraiment de la folie, je te jure. Je comprends pas.
J'espère au moins que l'autre type va pas porter plainte contre lui. Au moins. Depuis que ta mère est revenue, et surtout depuis que ton père est mort, je me bats contre ton frère et ta mère. Je dois toujours être sur la défensive. Parce que je suis en permanence, directement ou indirectement, accusé de tout. Comme s'il me reprochait en permanence de profiter de toi. Évidemment. Tu exagères, là. Nadia. On sait tous les deux ce que Yanis et ta mère pensent de moi. C'est évident. Regarde, ils ne le cachent même plus. Et je ne veux plus de ça. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai pas dormi de la nuit. J'y ai réfléchi jusqu'au matin. La soirée a été un véritable cauchemar. Oui. Surtout le moment où est arrivé le contrat. C'était fait exprès. C'était pour humilier mon père et ma mère. Mais qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu crois vraiment à ce que tu dis? Ils font toujours tout pour m'humilier. Ou me rabaisser. Et ils ont réussi. Et maintenant, je passe pour un faible aux yeux de ma famille. Mon amour. Mais ce n'est pas du tout ça. Je te le jure. N'exagère pas. Je n'exagère pas. C'est vraiment ce que je ressens. Je suis en colère, Nadia. Surtout parce que... je n'ai pas su riposter à leur provocation. Mon amour. Mon amour. Ne te fais pas de soucis pour ce contrat, s'il te plaît. Ça n'arrivera jamais. Tu crois que je suis l'homme qu'ils veulent pour toi ? J'ai pris ma décision. Karim. Je t'en prie, ne pars pas. C'est fini, Nadia. Il faut que tu l'acceptes. Non. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. Je t'aime, mais je ne peux pas continuer. Karim, reviens. Karim, s'il te plaît. Karim, je t'en prie, reviens. Karim. Non. Karim.
D'accord, maman, ne t'inquiète pas. Kamal est là aussi, je ne suis pas seule. Oui, maman, je rentre à la maison dès qu'on aura réglé le problème ici. J'ai dit ce que j'avais à dire. Faites juste votre travail. S'il vous plaît, moi je n'ai plus envie de perdre mon temps ici avec cette histoire alors que je suis complètement innocent. Écoute, mon ami t'a vu avec sa petite copine. Kamal, reste en dehors de ça, s'il te plaît. Il vous a vu tous les deux. Et il a vu quoi? Hein? Je ne l'ai vu que deux fois, on a juste parlé, c'est pas comme si j'avais couché avec elle. Ok, c'est bon, ok. Stop. Kamal, si on sortait prendre l'air? Elle a dit qu'elle ne voulait pas me revoir. Je ne la connais pas. Comment je pouvais savoir que ton ami était son ex-copain? Écoute, mon ami, mets-toi à sa place. Il a vu sa copine avec toi. Il est jeune, ça lui a fait mal et il n'a pas complètement tort. Pas vrai? La fille a mal agi, elle aurait pas dû. Tu es d'accord, hein? Donc à partir de maintenant, il n'aura plus jamais rien à voir avec elle. Mais il faut comprendre sa réaction à chaud. On est des hommes, hein? Et toi et moi, on aurait réagi pareil. T'es pas d'accord? De toute façon, elle a rompu avant qu'il ne se passe quoi que ce soit, alors... Peu importe. C'est pas le problème. Je te propose de régler ça entre nous. Tu retires ta plainte et nous, on règle ça juste entre nous. On règle les dégâts et on n'en parle plus. Notre ami a juste eu un coup de folie passagère. Ali est le meilleur type qui soit. Il est gentil et il s'attaque jamais à personne d'habitude. Alors les dégâts, dites-moi, il y en a pour combien? 30 000. Ok, c'est bon, je vais te régler le montant. Il ne s'agit pas que d'argent, regarde. Et ça aussi, c'est pas grave, on te payera, t'inquiète pas. On fera ce qu'il faudra, on te paye et on va pas plus loin. On s'arrête là. Kamal, ne lui donne pas d'argent, Kamal. Y a pas de problème, Ali. Ne paye rien, ça va aller. Ali, c'est bon, je te dis. J'assume totalement, ne paye rien. Je te contacterai aussitôt que j'aurai réussi.